Voilà Jacques. Donc Jacques, nous sommes ici au stade d'Anderlecht. Oui, c'est clair. Oui. On sort d'une réunion qui n'a pas été simple, mais enfin bon, ça fait quand même un peu plus de 4 ans qu'on rêve de ce centre d'excellence. Ça a commencé chez toi, souviens-toi, on a chipoté sur une présentation au comité olympique après Pékin. Et maintenant, on est vraiment au moment où des grosses décisions doivent se prendre, et je trouvais ça intéressant de discuter avec toi. Parce qu'en fait, ce qu'on a mis en place, c'est ce modèle de partie prenante, voir qui sont les parties prenantes pour créer ce centre d'excellence, qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils ont envie, qu'est-ce qu'ils ont comme ressources, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'eux, pour contribuer au bien commun finalement. Parce que tu ne fais pas ça pour ton commerce, ça fonctionne très bien, tes gosses ils courent très bien, ça fonctionne. Tu n'avais pas besoin de ça en plus dans ton agenda. Donc tu as vraiment eu cette quête d'amener quelque chose de positif. Quelles sont les opportunités, les difficultés que tu as rencontrées justement dans cette collaboration au service de quelque chose de grand ? Je n'ai pas trouvé tellement de difficultés. C'est déjà pas mal, hein ? Oui, ce qu'il faut, c'est mettre les bonnes personnes au bon endroit. Et c'est un double mélange. Bon, ici, on parle sport, mais c'est comment mettre des technocrates, des gens qui sont très techniques sur les aspects financiers, sur les aspects de fonctionnement, et à côté de ça, les gens de terrain, qui connaissent l'odeur du cambouis, la difficulté du sportif à pouvoir s'exprimer avec son corps et de pouvoir gérer cette tranquillité au niveau du cerveau. Et donc, quand vous mettez des technocrates et des gens de terrain dans une discussion, vous arrivez à quelque chose de très constructif. Et en fait, on est tout simplement dans la recherche de bon sens. Et le bon sens, vous l'avez dans une discussion ouverte et dans laquelle on vous met face aux réalités et de comment arriver à pouvoir aller to the point, mais le plus rapidement possible. Alors on est dans un pays très complexe avec toutes les flamands, francophones, et donc ce qui est toujours important, c'est de recentrer le débat sur la performance. Il faut performer, mais dans cette notion de performance, il faut toujours créer beaucoup de tranquillité et être en cohérence. Et c'est ça qui est très difficile, c'est que, vous voyez ça dans le sport, il y a parfois des gens très intelligents qui ont réussi de façon incroyable, mais ils n'arrivent pas à diriger leur club convenablement et sont très rapidement dans des pertes de bon sens. Et donc excellence, ça veut dire au fond chaque partie prenante dans son excellence, dans le rôle qu'on attend d'eux. Mais avec aussi, moi je me rends compte aussi, c'est ce que tu as fait en fait pendant plus de 4 ans, c'est tirer à la charrette, c'est un leadership fort, il faut un leadership fort, sinon rien qui se passe quoi. Oui, mais c'est responsabiliser tout le monde par rapport à ce qu'il doit exécuter. C'est pas uniquement être présent à un conseil d'administration, c'est comprendre qu'on doit travailler en équipe. Dans le travail d'équipe, ce qui est très difficile, c'est qu'il faut arriver à fonctionner dans un esprit familial, avoir le plaisir de se retrouver et qui permet de se sublimer et de pousser des limites incroyables. Et donc, la performance, ce qui est assez étonnant, ça doit se faire dans cet esprit familial. Et je ne suis pas du tout d'accord quand il faut presser, presser, presser les gens. Oui, oui. Il faut arriver à les sensibiliser de façon forte sur, en fait, qu'est-ce qui nous guide dans la vie, qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'être considéré et qu'on a envie que sur cette terre, les choses puissent s'améliorer, parce que ce n'est pas toujours évident. Oui, parce qu'ici, tous ces gens qui étaient dans cette réunion, c'est des gens très importants, qui prennent du temps depuis plus que 4 ans, bénévolement, qui ont des agendas de présidents. Pour le coup, il y avait des présidents, il y avait notamment Roger Van Stock était là, enfin bon, toute une série de dirigeants de très grosses entreprises qui étaient là, qui offrent leur temps. Mais pourquoi ils reviennent? Et parce que c'est justement cette notion on a envie de contribuer à quelque chose de grand, l'action du sens. Et que c'est la notion du sens, mais c'est aussi aboutir à un rêve. Il est très difficile dans notre pays de faire comprendre l'importance de belles infrastructures, l'importance de la considération au sport. Et donc, on a un rêve suprême de vouloir créer un centre de haut niveau, mais pas belge, européen,
où les technologies peuvent se confronter et permettent à l'individu de s'exprimer idéalement. Alors pour le sportif de haut niveau, dans sa quête d'excellence par rapport à son mouvement sportif, mais ça peut avoir des conséquences extraordinaires sur l'individu. Et deux exemples, c'est qu'il y a une personne sur deux en 2020 qui est une personne active qui risque le burn-out, et donc arriver à trouver cette tranquillité au niveau du cerveau. Et alors, il y a une personne sur deux qui a des problèmes de dos. Et donc, on doit améliorer nos mécanismes qui sont toujours liés avec le cerveau. Et donc, cette recherche de centre d'excellence, oui, c'est pour un moment donné les sportifs de haut niveau, mais c'est comment ces Formule 1 peuvent aider les voitures que nous sommes de tous les jours à mieux fonctionner et à trouver plus de cohérence. Et donc, c'est terriblement excitant de pouvoir mettre sa petite pierre dans tout ce fondement, et on peut faire ce que l'on veut. C'est on réussit en équipe. Il y a pas d'autre fonctionnement. C'est la même chose avec ta famille. Ça, il n'y a rien à faire. Et croire qu'on va faire tout seul, ça n'existe pas. Jamais. Mais donc, c'est vrai que ce centre ESA, au début, c'était très clair que le sens était aussi de faire participer la population. C'est pas que pour faire courir au sec, comme certaines mauvaises langues disent, tes fils. C'est pour vraiment collaborer au bien-être, à la santé de la population. C'est ça qui va faire finalement tirer cette machine et qu'on puisse tous profiter de cette excellence, cette expertise. Oui, mais dans cette excellence, on a besoin d'exemples. On a besoin de s'identifier. Voilà. Et on a besoin de se dire, des gens près de chez nous, ils y arrivent au niveau mondial. C'est terriblement important. Si dans un pays, on n'a plus la capacité de montrer que c'est possible de rêver, c'est un pays qui s'éteint. Et donc ça, c'est très important. Et donc avoir une vision, un fil rouge, est quelque chose de fondamental pour avoir un moteur au quotidien qui fait qu'on a la lumière en permanence. Ouais, c'est ça. Et donc tes enfants aussi nous aident très fort à nous pousser vers l'avant, effectivement, font office d'exemple. Merci beaucoup pour ces bonnes idées. Et donc à vous maintenant. Qui nous regardait créer ce modèle de collaboratif. Merci.